Nous recevons sur ce plateau Alice Coffin, militante et cofondatrice de l'association des journalistes LGBT. À vos côtés, Guillaume Bernard, maître de conférence à l'Institut catholique de Vendée. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en France, la PMA est pour l'instant réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme en âge de procréer et qui souffrent d'une infertilité ou bien qui risquent de transmettre une maladie grave à l'enfant. Alice Coffin, l'extension de la PMA à toutes les femmes, qu'est-ce que ça changerait pour les couples de femmes, très concrètement? Je vous remercie d'avoir invité pour en discuter. Je suis ravie, j'ai vu sur le générique qu'on diffusait des panneaux PMA, Hollande, lesbophobe. C'était les panneaux d'un groupe auquel j'appartenais qui s'appelle Oui, Oui, Oui. Je crois que c'est important de dire pourquoi on est là, moi et Monsieur Bernard. Moi, je suis là parce que pour discuter de la PMA. On m'a invité pour discuter de la PMA parce que je suis lesbienne. Donc la question de la PMA qui anime les débats politiques, médiatiques français depuis 5-6 ans, m'impacte directement. Moi, mes histoires d'amour, mes histoires de parentalité, je suis là aussi parce que je suis... Vous êtes maman ? Je suis pas maman, non, je suis pas maman. Et si je voulais l'être, il faut bien comprendre que puisque je suis amoureuse d'une femme, si je souhaitais être maman, il faudrait que je quitte mon pays, que je passe la frontière. Et je suis là aussi. Et je demande parce que pour savoir qui parle de PMA dans ce pays, je suis là aussi parce que je suis directrice, une des directrices de la conférence européenne lesbienne et qui s'occupe en fait parce que c'est un impact européen les questions de PMA puisque les femmes françaises effectivement lesbiennes ou célibataires sont obligées de franchir les frontières pour aller faire des PMA. On va entrer dans les détails. Mais juste avant cela, je voulais vous poser cette question à vous, Guillaume Bernard. La société évolue, le schéma traditionnel familial a changé. Est-ce que vous comprenez les évêques de France lorsqu'ils s'inquiètent de l'extension de la PMA au couple des femmes? Ils mettent notamment en avant l'importance de la référence paternelle. Quel est votre sentiment? Oui, je les comprends parce que effectivement, dans la situation actuelle, que je n'approuve pas d'ailleurs nécessairement, il y a quand même la figure du père qui est présente, puisque la PMA est aujourd'hui ouverte aux couples hétérosexuels. Dans l'extension qui est envisagée, la figure du père est entièrement évacuée. Et donc, par conséquent, on peut effectivement considérer, on peut considérer que c'est un sujet et on peut s'en inquiéter. Mais moi, pour ma part, je suis peut-être plus radical encore que les évêques, puisque non seulement je suis contre, naturellement, l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples hétérosexuels, mais je suis même hostile à la PMA tout court, parce que c'est une chosification de l'enfant et cela crée des conditions dans lesquelles on fait des tris d'embryons et donc où l'on pratique l'eugénisme. Et voilà pourquoi j'y suis hostile dans tous les cas, y compris pour les couples hétérosexuels. En ce qui concerne l'extension de la PMA aux couples de femmes, aujourd'hui, quelle est la situation? Parce que c'est une réalité. Les couples de femmes quittent la France, vont à l'étranger pour avoir recours à des PMA. Elles vont notamment très souvent en Espagne. Ça coûte cher. La situation, elle est catastrophique. C'est une discrimination et c'est bien plus grave parce que le fait qu'on parle de PMA en France depuis 5-6 ans, ça veut dire qu'on explique en gros que les lesbiennes sont des personnes à part et ça a pour conséquence de graves agressions. Encore ces derniers jours, les lesbiennes se font casser la gueule, se font cracher dessus. Tout ça à cause, excusez-moi, mais des politiques qui ne défendent pas assez cette mesure et qui nous mentent depuis des années. Et aussi des journalistes, par exemple, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous ouvrez ce JT sur les évêques? Pourquoi on a besoin de savoir ce que les évêques pensent de la PMA? C'est une question ouverte. Pourquoi, à votre avis, pourquoi France Inter a ouvert aussi son JT il y a deux jours sur la décision, les déclarations des évêques? Moi, je veux bien l'avis, je sais pas, des grands-mères sur la PMA, de qui vous voulez. Pourquoi les évêques? C'est une question que je vous demande. Et au plan pratique, on va plutôt répondre sur la question. Pourquoi on parle des évêques? Parce que c'est le dernier fait d'actualité en date. C'est eux qui se sont prononcés sur la GPA, sur la PMA. Juste avant, on avait évoqué le fait que l'extension de la PMA serait intégrée au projet de loi. Il y a plein de gens qui déclarent tout le temps des choses sur la PMA. Le problème, et notamment les associations de défense des lesbiennes, notamment de défense des femmes célibataires, le problème, c'est que les médias, et c'est pas du tout contre RT, c'est contre tout le monde, France Inter y compris. Tous vous les médias n'écoutent que l'Église catholique. Alors, est-ce que vous voulez bien nous faire part justement des difficultés que rencontrent les couples de femmes lorsqu'elles veulent avoir un enfant et qu'elles sont obligées d'aller à l'étranger? Ça fait des années qu'on le répète. Les difficultés, c'est assez simple. Est-ce qu'il y a un problème, un vide juridique? Parce que concrètement, quand ces femmes reviennent en France avec leur enfant, comment protéger son enfant quand il n'est pas reconnu? Ce qu'a besoin de savoir le public, c'est que oui, ça coûte cher. Surtout, c'est une catastrophe, c'est discriminant. C'est-à-dire que dans notre pays, on accepte que certaines aient un droit différent
parce qu'elle tombe amoureuse d'hommes plutôt que de femmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'aimerais qu'on revienne aussi par ailleurs sur toute cette question, puisque vous l'avez pointé, de la référence paternelle. Est-ce qu'on peut arrêter avec ça deux minutes? Parce que pourquoi, moi aussi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il faut absolument les pères, une référence paternelle. Vous voulez faire sortir un peu des études sur le rôle des pères dans la société, dans le monde entier? Moi j'attends, hein, parce que personnellement, en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée, et ça évite que mes enfants le soient aussi. Il faut aussi rappeler quelques chiffres sur les pères. C'est un petit peu dramatique qu'on brandissent cette référence paternelle comme ça sans savoir la réalité, c'est quoi la paternité dans le monde Yves actuellement, Bernard, c'est quoi ses conséquences. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour combler un vide juridique sans étendre la PMA à l'ensemble des femmes? Mais le problème, si vous voulez, c'est que on parle, et la question que vous posez est parfaitement judicieuse, on parle justement de situations parfaitement différentes. Le problème, c'est que on nous explique, Madame vient de nous le dire, qu'il y a des personnes qui auraient des droits plus que d'autres. Mais c'est pas des personnes qui ont des droits plus que d'autres, c'est la situation de chacune des personnes qui fait que on peut objectivement avoir des enfants ou non. Moi, par exemple, je suis handicapé, je suis extrêmement myope. Je n'ai pas accès, effectivement, je suis discriminé et je n'ai pas accès au permis de conduire. Je n'ai pas le droit de conduire parce que ma situation naturelle fait que je ne peux pas conduire. Il y a effectivement des couples qui sont accidentellement stériles et il y a des couples qui sont naturellement stériles. Et donc, par conséquent, effectivement, pour qu'il puisse y avoir un enfant, il faut qu'il y ait la rencontre du masculin et du féminin, d'un ovule et d'un spermatozoïde. Et par conséquent, effectivement, s'il n'y a pas la figure paternelle et la figure maternelle, il ne peut pas y avoir d'enfant. L'enfant n'est pas une chose. L'enfant est un être singulier qui a sa propre existence et dont on ne peut pas disposer simplement parce qu'on aurait envie d'un enfant. L'enfant n'est pas un objet. On n'a pas de droit à l'enfant et l'enfant doit être respecté pour ce qu'il est. Et lorsque l'enfant est intégré et rejoint la vie d'un couple de femmes, lorsque ces femmes-là sont allées à l'étranger, qu'elles reviennent en France, c'est une réalité. Guillaume Bernard, comment est-ce qu'on fait alors pour protéger cette famille? Pour protéger l'enfant. Pour protéger l'enfant qui est présent. Pour protéger l'enfant, bah écoutez, la jurisprudence de la CEDH est assez, extensive de ce point de vue-là. Elle considère que, l'enfant doit obtenir un état civil de telle manière qu'il soit, intégré au corps social le plus possible. Mais moi, je maintiens le fait que il me paraît assez étrange que l'on avalise le désir des parents indépendamment de l'intérêt de l'enfant. Excusez-moi, je peux vous poser une question. Qu'est-ce que ça peut vous faire que j'ai un enfant par PMA? Pourquoi ça vous ennuie? Si j'étais avec un homme, ça ne vous poserait pas de problème que j'ai un enfant. Pourquoi ça vous pose tant de problèmes? Qu'est-ce que c'est le problème? Mais pourquoi vous voulez faire du chantage affectif? Je suis en train de vous répondre. Attendez, je suis libre de mes réponses. Et puis, le juge de la qualité de mes réponses, c'est le téléspectateur. Donc, vous faites du chantage affectif. Moi, je vous réponds que pour qu'il puisse y avoir procréation, il faut qu'il y ait la rencontre du masculin et du féminin. Et que par conséquent, il y a des couples qui sont naturellement stériles et d'autres qui ne le sont que accidentellement. Mais encore une fois, je le répète, je ne suis pas contre la PMA exclusivement pour certains, je suis contre la PMA de manière générale, parce que la PMA, ça suppose la fécondation in vitro, ça suppose le tri des embryons, et ça entraîne dans le fond de l'eugénisme. Et la matrice de toutes ces questions-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, j'en conviens, c'est évidemment l'avortement. Le fond du problème, c'est que l'on utilise l'enfant comme une chose. Pour revenir sur la PMA, qu'est-ce que vous répondez alors, Guillaume Bernard, à ces couples qui sont en souffrance, infertiles, et qui ne peuvent pas avoir d'enfants, leur seule possibilité est ce recours à la PMA? Mais moi aussi, je suis en souffrance, je ne peux pas conduire. Je veux dire, nous sommes tous dans des situations où notre vie personnelle, notre situation fait que nous n'avons pas accès à certaines choses. Je veux dire, l'enfant n'est pas un droit, je n'ai pas un droit à avoir des enfants. L'enfant est un être humain. Je crois que c'est important, vous venez de le dire, et c'est bien que vous l'ayez exprimé ainsi, vous avez fait référence à l'avortement. Il faut que tout le monde comprenne bien que tous les débats qu'on a en ce moment à la PMA, les gens que vous voyez défiler dans la rue, qui vont revenir peut-être les jours prochains, c'est les mêmes qui ne veulent pas que les femmes aient recours à l'IVG, c'est les mêmes qui, depuis des décennies, essayent de maintenir le corps des femmes sous la tutelle des hommes du patriarcat. Donc c'est la même chose. Il faut que les gens comprennent bien que c'est la même chose sur la PMA. Donc moi, je ne vais pas répondre directement, parce que c'est les mêmes réponses depuis des décennies. Ceux après qui j'en ai, en revanche,
c'est nos politiques actuellement qui laissent ces gens-là s'exprimer. C'est-à-dire que François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls l'ont fait, ont laissé libre cours à la lesbophobie, l'homophobie, la transphobie se déverser dans nos rues. J'espère que le gouvernement d'Édouard Philippe et puis la présidence d'Emmanuel Macron vont très 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 vite agir. Plus on attend, il est déjà trop tard, plus on laisse du temps à ce que les lesbiennes soient insultées, soient tabassées. Donc maintenant, agissez, votez la PMA. Ça fait des années qu'on en parle. On connaît la vie de ces gens-là, hein. On le connaît grossièrement. C'est pas, ils peuvent avoir cet avis-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu un vote, une élection, maintenant que la PMA soit votée et qu'on cesse avec ces situations de discrimination flagrante qu'on a en France. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est si difficile d'avoir un débat apaisé sur ces thèmes de société ? Attendez, moi je vais vous répondre pourquoi c'est pas difficile d'avoir un débat apaisé. Vous invitez à côté de moi quelqu'un qui en a, après moi, la liberté de mon corps. Tous les gens en fait, c'est pas difficile, ça dépend qui vous invitez à débattre. Si vous invitez à débattre les personnes dont on... à qui on dit on vous prive d'un droit, les lesbiennes, les gays quand c'était le mariage pour tous, les personnes trans. Si en face, vous mettez des gens qui nient leur existence, qui trouvent que leurs vies sont horribles... Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, vous n'avez pas un débat apaisé. Il n'y a pas de débat à avoir sur ces questions. La question, ce n'est pas le débat apaisé, c'est le débat sur... Nous y voilà. Le cœur du problème, c'est ça. C'est que quand on conteste une certaine conduite ou des actes, eh bien, immédiatement, on se voit rétorquer, ce qui est parfaitement ubuesque, que l'on s'attaque à votre être. Non, je ne vous nie pas dans votre qualité d'être humain. Je ne vous nie pas dans votre qualité d'être humain parce que je vous conteste le fait de revendiquer un droit à l'enfant. L'enfant, ça n'est pas une chose dont on dispose. Vous avez dit le droit des lesbiennes ou de ceci ou de cela. Moi, je vous parle des droits de l'enfant. Le fait que l'enfant n'est pas une chose qu'on manipule et dont on pourrait obtenir le droit de l'avoir parce que ce serait un objet. C'est ça le fond du problème. Et c'est bien pour ça que l'avortement est au cœur du problème, parce que, et c'est la matrice de toutes les questions de bioéthique depuis une quarantaine d'années, parce qu'effectivement, vous avez dit le droit de disposer de votre corps. Je vous signale que l'enfant à naître a son propre corps, qu'il a un ADN qui est le résultat de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, et que c'est un être singulier, parfaitement différent de ses parents, et par conséquent, ce n'est pas un droit à l'enfant, c'est l'enfant qui, lui, a déjà des droits. Vous êtes gentil, mais vous n'ouvrez pas un débat, une discussion qui s'ouvre sur une déclaration des évêques en me parlant de droit à l'enfant en ce moment. Je pense que c'était particulièrement malvenu, en plus, sur toutes les affaires de pédophilie qui ne sont pas réglées par l'Église, que les évêques, que tous les gens qui soutiennent la hiérarchie catholique... Moi, je vais vous dire, je pense qu'un prêtre pédophile, il faut lui appliquer, il faudrait le pendre. Voyez-vous ? Ça ne me dérange absolument pas. Un coupable, sauf que l'enfant à naître, lui, il est innocent. Et c'est ça la grande différence. Est-ce que vous pensez qu'avec cette extension possible de la PMA à toutes les femmes, est-ce que vous pensez qu'on risque de revivre un remake de 2013, cette année marquée, on s'en souvient, par les mobilisations anti-mariage pour tous? Ça dépend de vous, ça dépend des journalistes, ça dépend des politiques, ça dépend de l'espace, le boulevard ou pas, que vous allez laisser ou pas à la manif pour tous, aux gens qui ont une haine contre les lesbiennes, les gays. Si on les laisse à leur place, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, hein, ils sont pas d'accord, et si on considère pas que, par exemple, ils représentent tout le monde, parce que je pense qu'on vient de parler des catholiques, moi j'étais invitée à l'université catholique de Notre-Dame aux États-Unis pour exposer ces questions-là, j'ai plein de personnes catholiques dans ma famille, mais qui sont atterrées par les prises de position de la hiérarchie catholique et qui me soutiennent moi, des projets d'enfants, bien sûr. Donc si on arrête de considérer que quelques-uns très 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 avec un discours de haine très fort représente l'ensemble et qu'on arrête de les inviter sur les plateaux et surtout que cette loi est votée rapidement, non, on ne le revivra pas. Si on le revit, ça sera de la responsabilité des journalistes, des politiques. Guillaume Bernard, est-ce que vous croyez en la possibilité aujourd'hui de rassembler les anti-PMA? Les familles homoparentales sont tout à fait admises aujourd'hui, elles font partie de la société? Je ne sais pas si c'est un sujet qui mobilisera autant qu'en 2013. Très objectivement, il y a une part, je dirais, de technicité dans le débat, la fécondation in vitro en particulier, le diagnostic préimplantatoire qui fait que on élimine 95% des enfants trisomiques, donc on fait de l'eugénisme. Cette difficulté technique du débat fait que je ne suis pas certain qu'il y ait une mobilisation sociale contre cette PMA comme, je dirais, symboliquement, elle avait eu lieu en 2013 et 2014. Merci beaucoup à tous les deux. On suivra l'évolution de ces débats. Merci d'avoir accepté notre invitation.